Salut tout le monde, bon déjà bonne année, hein. Je sais qu'on est au mois de mars et qu'on a connu des débuts d'année, disons, un peu moins mouvementés, mais voilà, il se trouve qu'on me pose énormément de questions à propos de plusieurs sujets, et j'ai tant bien que mal essayé d'y répondre dans l'onglet communauté de la chaîne, que ce soit sur Deotoons ou Diabo, mais je pense que cet onglet communauté, il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient, parce que j'ai toujours les mêmes questions, donc voilà. J'avais pas tellement envie de faire ça, mais je fais une petite vidéo pour répondre à toutes ces questions, comme ça vous êtes au courant, et la vidéo passera tranquillement en non répertorié au bout d'une semaine, et au moins j'aurai pas à en parler dans l'outro du prochain cartoon. Car oui, il y aura un prochain cartoon, il y en aura plusieurs. Je n'arrête pas ma chaîne, je n'arrête pas YouTube. Fort heureusement, je n'ai pas été affecté du tout par les nouvelles mesures dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. C'est ce que j'espérais, donc tant mieux. Les cartoons vont reprendre tranquillement, comme vous le savez, c'est long à faire et pour l'instant, je suis absolument tout seul dessus. Donc en plus, quand j'ai un empêchement, bah tout s'arrête. Et des empêchements, j'en ai eu pas mal ces deux derniers mois puisqu'il s'est passé un truc qui sera d'ailleurs le sujet du prochain cartoon, puisque je tiens vraiment à raconter cette histoire parce que ça a été totalement folklorique, on va le dire. Mais j'aime beaucoup le mot folklorique. Donc voilà, je le répète, je n'ai pas eu de soucis. YouTube n'a pas considéré ma chaîne comme étant une chaîne pour enfants. Je parle vraiment pour moi. Je pense que vous avez remarqué par vous-même si les chaînes, les vidéos que vous avez l'habitude de regarder ont été ou non impactées. Mais moi, ça va. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Ensuite, la mauvaise nouvelle, hein, vous savez, ce qui se passe actuellement à l'échelle mondiale a eu quelques conséquences pour moi puisque j'avais décidé cette année de faire deux conventions, donc Made in Asia et Polymanga, avec les Lay. Et elles ont toutes les deux été annulées, en tout cas aux dates auxquelles elles devaient avoir lieu. Elles seront certainement reportées. Mais voilà, désolé pour ceux qui avaient vu passer l'info, comme quoi je serai en Belgique et en Suisse, bah du coup je ne serai ni en Belgique ni en Suisse, je reste chez moi à Montpellier et peut-être qu'on pourra se rencontrer une prochaine fois quand tout ira un peu mieux. Voilà, et maintenant je vais vite hein, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures. On m'a pas mal questionné la semaine dernière sur la dernière vidéo qui a été postée sur Diabo qui a été supprimée au bout de 15-20 minutes. En fait, c'est tout simplement parce que j'avais pas mal bossé sur cette vidéo et j'ai eu malheureusement énormément de problèmes de rendu. L'image n'arrivait pas à la voir comme je voulais et au bout d'un moment, je me suis dit tant pis, je la poste quand même. Peut-être que c'est pas si grave que les gens vont pas remarquer. Et malheureusement, au bout de 20 minutes, tous les top commentaires ne parlaient que de l'image qui était dégueulasse. En fait, il y avait des traits qui allaient sur tout l'écran et qui étaient beaucoup trop forts par rapport à l'effet que je voulais mettre. Je crois que mon logiciel pétait un câble en fait et ne rendait pas les choses comme il fallait. Donc bref, ça m'embêtait de sortir une vidéo de cette qualité. Donc j'ai décidé de la supprimer après avoir vu les retours, de régler tranquillement le problème avec mon logiciel. Et là c'est bon, la vidéo elle est de bonne qualité et je vais la réuploader aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo vendredi 13 mars, elle devrait sortir aux alentours de 18h30, peut-être un petit peu avant. Elle est déjà uploadée, il n'y a pas de souci, hein, je ne serai pas en retard. D'ailleurs vous voyez certainement le speed paint d'une partie de la miniature de la vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Et en attendant, n'hésitez pas aussi à jeter un œil à la dernière vidéo qui est sortie sur Diabo aussi, qu'on a tourné avec Lolo, hein, mon pote que vous avez vu notamment dans la vidéo sur le camping. J'ai adoré cette vidéo, on a déjà tourné cette fois-ci avec Lelei en plus, un épisode 2 qui sortira d'ici 2-3 semaines. Mais voilà, l'épisode 1 est là, on a adoré tourner cette vidéo, donc si vous l'avez toujours pas vue, je vous invite vraiment à cliquer juste ici pour la regarder. Et à 18h30, il y en aura une nouvelle. Et concernant le prochain cartoon, je dirais que ça ne sortira pas avant courant avril. Mais je ne vous donne aucune date, en tout cas, ce sera pas pour le mois de mars parce que j'ai été totalement bloqué jusqu'à début mars par tout ce que j'avais à faire. Bref, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les principales questions. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et Twitter et on se dit à bientôt, ciao!